Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Piracia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 229 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 209. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué nos missions de combat dans lesquelles on avait fait le fameux renversement d'Astor, donc qui nous avait permis de débloquer une autre mission de combat derrière, donc la destruction des ombres. On n'en finira jamais de ces missions de combat. Alors du coup, aujourd'hui, nous allons tout simplement nous attaquer à la destruction des ombres, justement. Les ombres de Ganon troublent à nouveau la paix. Putain, encore, détruisez-les en prenant garde à leur puissance d'attaque. Donc on va... Ok, bon, on peut voir que ici, en ennemi principal, il y a l'ombre de Ganon, l'ombre de feu de Ganon, l'ombre de vent de Ganon et l'ombre de foudre de Ganon. En récompense initiale, ici nous avons une pierre céleste, 5 diamants bruts et une arme, rien d'un exclusif. Donc écoutez les amis, on va prendre Link, hein, je vous le dis maintenant, on va pas se faire chier. On va vraiment prendre Link et on va partir au combat illico presto, parce que les 4 ombres de Ganon, et vu qu'on a qu'un seul personnage sélectionnable, je veux pas souffrir. En plus, je crois que c'est du temps limité, donc je ne veux pas souffrir. Voilà, je ne veux pas... déjà, c'est assez dur comme ça. Donc, écoutez. Let's go. Donc là, aujourd'hui, vous regardez la 145e mission de combat. Ok. Ok, on est carrément dans l'amphithéâtre. Éliminer la totalité des ombres de Ganon. Ah d'accord. Attention. Non. Ok. Boum 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 boum. Voilà, coup point faible. Ouais, donc heureusement qu'on a pris Link, parce que vu les dégâts qu'on fait pour l'ombre de Ganon, on allait vraiment en chier sinon. Ok. Non. Voilà. Le coup faible. Ok. Non. Encore. Oula, attention. Attention à toi, Link. Le coup point faible. Allez, il nous en manquera plus qu'une dernière fois pour l'ombre de Ganon. Et normalement, on l'aura éliminé. Sorti. Allez, go. Voilà. Le coup point faible, c'est bon. L'ombre de Ganon est éliminé. Et slash, voilà, on a vaincu l'ombre d'eau de Ganon. C'est magnifique. C'est fou quand même qu'on affronte des ombres de Ganon. L'ombre de feu de Ganon apparaît. Il est né l'ombre de feu de Ganon. Oh putain, c'est vrai que ça t'attaque de merde. Et lui, pire attaque ever de l'ombre de feu de Ganon. Par contre, on va vite le calmer, je vous le dis clairement. Ok. C'est bon. Coup point faible. Bon. Ah putain, s'il faut le faire 5 fois avec chaque ombre de Ganon, on va pas y arriver, je vous le dis. Non. Allez, go. Boum, boum, boum. Au coup point faible. Allez, boum. On est en train de défoncer. C'est jouissif. Voilà. Allez, allez, allez. Et go. Boum, boum, boum. Coup point faible. Allez. Un tiers de sa vie. C'est de la souffrance quand même, hein, mine de rien. Aïe. Ah, d'accord. Super.
bon. Putain, c'est moi qui ai voulu te défoncer en premier. Et là, donc au point faible. Allez, normalement une dernière fois derrière et ça suffira. Ah non, tu restes sage. Voilà. On a du coup fatal. Donc on le réservera pour le ombre de devant de Ganon, parce que le souci c'est que il est ultra relou l'ombre devant de Ganon, il c'est celui-là qui a le plus de vie il me semble. Donc voilà, on a vaincu l'ombre de feu des Ganon, donc là on va avoir l'ombre de foudre j'imagine, en m'aidant. Donc voilà. Non, ah non, l'ombre de vent carrément. Ok. Donc c'est le plus chiant qu'on nous avons maintenant. Et voilà. Ok. Boum, 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 boum. Et voilà, le coup point faible. Non. Oula. Ok. On reste concentré quand même, hein, parce que c'est difficile, on dirait pas comme ça, mais c'est compliqué. Le coup point faible. Allez, il est midlife. Par contre, toi, tu vas rester calme. Merci. Non, tu restes sage, j'ai dit. Non, j'ai dit que tu restes sage. Coup point faible. Boum! Allez, une dernière fois, ça suffira pour l'ombre devant de Ganon. Ça va, on est en train de les gérer, les ombres de Ganon. Quand on a compris la solution, c'est easy, quoi. Mais vraiment énormément de points de vie. Hein. Heureusement qu'on le fait avec Link, parce qu'on aurait vraiment galéré à le faire avec un autre perso. Le coup point faible, c'est bon. L'ombre devant de Ganon est éliminée. Il nous restera 10 minutes pour éliminer le dernier. L'ombre de foudre, hein, tout simplement, de Ganon. C'est là que je redoute un peu plus quand même, finalement, parce qu'il est super chiant. Parce qu'en termes d'attaque, lui. Malheureusement, tu peux rien faire contre lui, en fait. Il est trop agile, en fait. Mais je crois que c'est celui-là qui a le moins de vie, donc, mine de rien... Le coup point faible. Ok. Non. Boum, 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 boum. Le coup point faible. Allez. Il est bien, il est midlife. Oula. Ok. On va vite te calmer, hein. Voilà, le coup point faible. Maintenant, next. Eh oui, je m'en doutais. Impossible de reculer parce que une fois que tu le vises. Reculer, c'est impossible. Putain. Avec surtout avec le joystick que j'ai. Enfin, le joystick que j'ai là actuellement. Le coup point faible. Allez, normalement, c'est bon, il est mort. Oui, nous avons réussi. Nous avons réussi la destruction des ombres. Ah, bon, écoutez. Niveau 81. Oui. Alors, du coup, bon, des armes, un truc avec Darouk, ok, la pierre céleste et 5 diamants bruts. Bon, bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode numéro 229. On va pouvoir s'arrêter là.
J'espère que je me suis pas fail. C'est bien l'épisode 230 de la fois prochaine, parce que je suis en train de me rendre compte que je. Non, je crois pas me mettre fail. Donc c'est bien 230. Bon, bah écoutez. Oh, encore. Ok, ça continue. Ça ne s'arrêtera plus. Ça ne s'arrêtera plus. Ok. Ah, le fragment étoile. Yes, enfin. Les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Hein. On se retrouvera du coup pour l'épisode 230 demain à midi, comme d'habitude. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Et la prochaine fois, du coup, on s'attaquera à la menace. On va le faire dans l'ordre. Hein, la menace tapis dans la forêt. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes un petit peu au courant. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.